Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire, l'affaire des disparus de l'autoroute A6. L'affaire des disparus de l'autoroute A6 menant de Paris à Lyon est une affaire tentaculaire de disparitions successives de jeunes femmes, puisque pas moins de 14 d'entre elles seront recensées dans un décombre macabre. Disparition toute survenue entre le 22 août 1984 et le 2 août 2005, dans la traversée du département de la Saône-et-Loire. Longtemps, cette affaire particulièrement sordide sera marquée par la fatalité et le manque de chance, comme si un mystérieux inconnu voulait sans cesse se mettre en travers de la justice. Notons aussi que le terme disparu de l'autoroute A6 ne peut s'appliquer ici qu'à l'ère géographique des disparitions signalées et des crimes commis, puisque jamais aucun des faits ne pourra être imputé à un utilisateur de l'autoroute, quel qu'il soit, chauffeur routier, vacancier, navetteur ou personnel y travaillant au quotidien. D'entrée, il convient de préciser que l'affaire dite des disparus de l'autoroute A6 regroupe en fait une quinzaine d'affaires criminelles, gérées au départ par des services enquêteurs différents, qui ne se connaissent pas tous, ne font pas de lien évident entre toutes ces affaires, dont certaines d'ailleurs ne sont que très peu médiatisées. C'était, à cette époque-là, la difficulté essentielle de voir large et grand, dans une zone géographique donnée. Ni les magistrats d'alors, ni même certains enquêteurs en charge de ces dossiers, n'étaient vraiment prêts à partager leur information, ou à céder leur affaire, au risque de la faire capoter et de ne jamais la voir aboutir. Les temps, heureusement, ont changé leur seul point commun réside dans le fait que toutes ces disparitions mystérieuses vies devenues inquiétantes pour les proches et les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale saisies selon les zones de compétence et l'implantation des juridictions Concerne, après analyser rapprochement fait, mais bien tard, des jeunes femmes sans histoire, âgées de 13 à 37 ans, qui ont toutes disparu brutalement, sans laisser de signes évidents, ni de traces, dans un rayon de 200 km grosso modo, en amont et en aval de Mâcon, le long de l'axe autoroutier le plus emprunté d'Europe, l'autoroute a Dès lors, toutes les hypothèses sont permises. Présence d'un tueur en série, même si ce terme est encore utilisé avec beaucoup de prudence en France. Mauvaise rencontre répétitive de jeunes filles insouciantes. Le hasard aussi, pourquoi pas. Dans ce que les habitants de la région dénommeront très vite le triangle de la peur, couvrant toute la région, allant de Chalon-sur-Saône à Mâcon, à Monceau-les-Mines. Au fil de l'évolution de l'enquête, portant au tournant des années 2000, sur près d'une quinzaine de cas signalés et d'investigations différentes, sans toujours pouvoir forcément les lier d'ailleurs, allant de rebond en sursaut, mais sans véritablement aboutir, la mère d'une des premières victimes créera l'association Christelle, en hommage à sa fille disparue. Elle regroupe une majorité des membres des familles de victimes, onze s'étant déjà spontanément affiliés à elle. Le 20 août 1984, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines de 22 ans, inséparables, originaires de Liège en Belgique appellent leurs familles respectives, toujours en Belgique, pour les prévenir de leur arrivée imminente en Bourgogne et plus exactement à Mâcon. Elles sont parties pour faire du stop, pour visiter la région pendant une quinzaine de jours. Deux jours plus tard, elles quitteront le domicile de leur ami à Mâcon. On ne va plus jamais les revoir. Les parents inquiets, ne recevant plus aucune nouvelle, donnent l'alerte. Dans les jours qui suivent. Mais aucun témoignage utile ne sera recueilli. Aucune piste ne se dessinera non plus dans cette double disparition des plus mystérieuses. Deux ans plus tard, le 14 novembre 1986, sylvie aubert jeune caissière à l'hypermarché mammouth de chalon sur saône quitte son travail à vingt et une heures elle emprunte comme tous les soirs avec son vélo moteur une petite route pour rejoindre la maison de ses parents à saint loup de varennes son père, inquiet de ne pas la voir revenir, va partir à sa rencontre et va retrouver le vélomoteur à quelques kilomètres du domicile, ainsi que son sac à main et l'une de ses chaussures. Le tout au milieu de la chaussée. Ce n'est pas un accident, mais bien un enlèvement, puisque son corps sera retrouvé cinq mois plus tard dans la rivière d'Eune, sur la commune de Géange, non loin des lieux. Faisons alors suite à ces trois disparitions successives qui ont déjà été prises en compte antérieurement, c'est le décès de Christelle Mellerie, le 18 décembre 1986, âgée d'à peine 16 ans, la quatrième victime déjà recensée qui va mettre les enquêteurs encore un peu plus sous pression. Son corps est finalement découvert, assez rapidement, lardé d'une trentaine de coups de couteau porté avec une sauvagerie inouïe dans le local à vélo de son immeuble. En effet, dès 1990, le juge d'instruction en charge de cette affaire, jamais résolu, rend une ordonnance de non-lieu. Curieusement, on apprendra que certaines pièces à conviction de l'affaire, notamment les vêtements de la victime, ses bijoux, le couteau retrouvé à 200 mètres du lieu du crime, ont été détruites, comme toute attente et en violation de toutes les règles de conservation en vigueur dans les juridictions, dont bien sûr celui de Chalon-sur-Saône. Christelle Blétry, âgée de 20 ans. Élève au lycée agricole de Vérozvre. et découverte le 28 décembre 1996 dans un fossé près de Blancy, le corps entaillé de 123 coups de couteau. Élève au lycée agricole de Vérozvre. C'est en 2003 qu'un enquêteur privé travaillant pour le compte de l'association Christelle, fondée par Marie-Rose Blétry, mère de Christelle, fera des avancées significatives. Pour tenter de relancer l'affaire, resté au point mort, il a réussi à recueillir, non sans mal, le témoignage de l'ancien petit copain de Christelle, qui sera déterminant pour la résolution de cette affaire au moins, et redonnera de l'espoir à tous ceux qui croient, et il reste nombreux, que ce n'est pas une fatalité qui s'abat sur la région. Celui ci? avait en effet affirmé qu'après le meurtre, un dénommé Jean-Pierre Murat, vague connaissance à lui, traînant toujours dans la cité sans but précis et oisif, lui avait proposé de le dédommager de 300 euros pour le décès de la jeune fille. Le petit copain en question n'avait pas alors cru bon de signaler cet élément. L'information judiciaire est réouverte en 2005. Jean-Pierre Murat, 44 ans, est interpellé, placé en garde à vue par les policiers et entendu sur les faits. Lors d'une perquisition menée chez lui, des dizaines de couteaux différents sont retrouvés. Les lames sont toutes analysées et comparées à celles du couteau de la scène de crime, qui, rappelons-le, a été détruit avec d'autres scellés et comparé aux vues de clichés photographiques pris sous divers angles et avec divers grossissements. Il apparaît très vite, évident que les lames saisies et celles prises en photo ont été aiguisées par la même meule et très probablement par là ou les mêmes personnes usant de la même technique. En effet, l'expertise menée par les fins limiers de la police judiciaire de Dijon s'appuie sur quatre points communs de stigmates d'affûtage, laissés par la meule, un peu comme lors d'une expertise balistique, où sont comparées les traces laissées sur les projectiles balles par le canon d'une arme. Ces éléments, ainsi que d'autres témoignages, convergent, permettent au juge d'instruction de mettre en examen le suspect pour homicide volontaire le 15 décembre 2011 et de le placer en détention provisoire à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, en Saône-et-Loire. Notons qu'avant son arrestation et sa mise en cause, ce jeune homme originaire du Creusot, avait déjà été interné en milieu psychiatrique à Chalon-sur-Saône sur demande d'un proche et sur avis médical âgé de 19 ans porté sur l'alcool et les stupéfiants ouvrier métallier sans conviction déjà père d'une petite fille il traînait dans le quartier des Charmilles à proximité immédiate de la cité HLM où Christelle résidait il connaissait très bien les lieux car il avait déjà été impliqué dans des cambriolages commis dans des caves de cette résidence. Condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans devant les assises de la Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, Jean-Pierre Murat, ayant fait appel de cet arrêt, verra cette peine confirmée par la Cour d'appel de Dijon. À peine un an plus tard, le jury avait cependant acté que son discernement était altéré au moment des faits par les prémices de la schizophrénie. Une autre jeune fille a disparu, Carole Sotlisiak, une toute jeune fille de 13 ans, dont le corps en partie dénudé et brûlé sera découvert par des chasseurs, dans un bois près de Montsolémine l'expertise médico-légale déterminera qu'elle a reçu quatre coups de poignard, tous portés au thorax, que des traces de strangulation sont nettement apparentes et qu'elle a également subi des violences sexuelles. Curieusement, une trace de liquide corporel, isolée par les enquêteurs, a la particularité de ne contenir aucun spermatozoïde. L'ADN qui en est extrait est comparé négativement à celui de Francis Holm, tueur en série déjà identifié, et de deux autres hommes qui avaient reconnu être présents sur les lieux ou à proximité. Une autre victime, tant le décompte macabre se poursuit malheureusement dans la région. Se nommait Virginie Blusé, avait 21 ans. Était originaire de Beaune et a brusquement disparu en février 1997, quelques mois à peine après Christelle Blétry. Son corps est retrouvé le 17 mars 1997, à Verdun-sur-le-Doubs, en bord de Saône. L'expertise médico-légale déterminera qu'elle a, en fait, séjourné cinq semaines dans l'eau, menottée et bâillonnée, la tête couverte d'une thé d'oreiller. Dans ce cas aussi, des scellés, initialement non exploités, notamment une infime tache de sang sur le baillon, tache de sang qui sera accablante à tout point de vue, permettront aux gendarmes de la section de recherche de Dijon de confondre en février 2010 le petit ami de la victime. Sauf que par un hasard judiciaire malencontreux, le juge d'instruction avait rendu dès le 6 novembre 2002 une ordonnance de non-lieu par faute de preuve. Au final, sur cette scène de crime inédite jusque-là en France, puisqu'elle est longue de près de 200 kilomètres, 14 femmes ont donc disparu entre 1984 et 2005, toutes regroupées sous le vocal des disparus de l'autoroute A6. Où seule l'opiniâtreté de certaines familles des victimes permettra la poursuite de la quête de la vérité. Maître Corinne Hermann est avocate de l'association Christelle, dès sa fondation et co-auteur du livre Nous, avocats des oubliés, sur la piste des crimes non résolus, paru aux éditions JC Comme Virginie Blusé. Au moins douze jeunes femmes sont décédées ou disparues entre 1984 et 2005, en Saône-et-Loire sans explication. Leurs assassins n'ont jamais été identifiés. Des affaires douloureuses, la plupart sans lien apparent, devenues au fil des années et des errances judiciaires un seul et même mystère, celui des disparus de la CIS. Deux ans plus tard, en novembre 1986, Sylvie Aubert, caissière de 22 ans, travaillant au supermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône, est assassinée alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps sera repêché cinq mois plus tard, en avril 1987, dans un cours d'eau qui traverse la commune de Géange. Ses poignées sont liées par un fil de fer. Elle a été étranglée. Le tueur en série allemand Ulrich Münstermann est même soupçonné d'avoir commis le meurtre et d'être responsable de la disparition des deux premières touristes belges qui faisaient du stop. Détenu à Fleury-Mérogis, l'OMNI en bloc et les très longues vérifications entreprises par les enquêteurs ne permettront pas de le confondre. La quatrième disparue, Christelle Mellerie, décède dans la cave d'un HLM du Creusot, à deux cents mètres de chez elle, en décembre 1986. Trente-trois coups de couteau se sont abattus sur l'adolescente de 16 ans. Un facteur qui faisait sa tournée aperçoit un homme du vingtaine d'années, qu'il décrit comme assez mince, cheveux mi-longs, assez clairs et peut-être même blond. Un peu le style du chanteur Renaud. Les enquêteurs disposent également de deux cartes postales dans lesquelles le meurtre est revendiqué. En 1990, le juge d'instruction rend pourtant une ordonnance de non-lieu. Les pièces à conviction de l'affaire, notamment les vêtements de la victime, ses bijoux, le couteau retrouvé à 200 mètres du lieu du crime, selon le nouvel observateur, sont détruites par le service des scellés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. Il faudra attendre 2003 et l'enquête menée par un détective privé pour relancer l'affaire. L'information judiciaire sera réouverte en 2005 et Jean-Pierre Murat, 44 ans, mis en examen pour homicide volontaire en décembre 2011. Mais la litanie Macam ne s'arrête pas là. Pendant l'été 1987, à moins de deux semaines d'intervalle, deux jeunes filles seront assassinées. En 1999, toujours du côté de Mâcon et là encore en bordure de Saône, le corps de Vanessa Thielon, 17 ans, apprentie cuisinière, est découvert. La victime a été sauvagement battue et est morte d'une overdose, en état d'ivresse manifeste, ce qui n'était pas dans ses habitudes, sans avoir subi d'agression sexuelle. Le corps de Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance est retrouvé le long de l'autoroute A6 à hauteur de Saint-Albin. Aucun élément concret n'apportera d'explication à ce crime impuni. Quinze jours plus tard, à seulement trois kilomètres de là, Nathalie Mère, employée du sandwicherie sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin, est retrouvée décédée sur les lieux mêmes de son travail. Marthe Buisson, une fugueuse de 16 ans est retrouvée sur une bande d'arrêt d'urgence, de l'autoroute A6, le crâne très abîmé, non loin de Mâcon. Selon plusieurs témoins, elle a été jetée d'une grosse voiture claire. Là aussi, toutes les investigations menées n'apporteront pas de réponse. Entendue par les gendarmes chargés de cette affaire, Nathalie Maire est tuée à son tour quinze jours plus tard. Dans une incompréhension totale. Pourquoi elle Pourquoi à cet endroit-là et à ce moment-là La jeune fille de 18 ans était employée saisonnière sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin. Elle a été battue à coups de manche à balai et étranglée avec la rallonge électrique du congélateur de la cabane à frites où elle travaillait. Une piste interne au travail de la jeune femme, un instant évoquée, s'avérera finalement non fondée. La septième disparue, Carole Soltisiak, n'a que treize ans. Des chasseurs découvrent son corps nu et partiellement brûlé dans un bois près de mines D'après la gazette de la Côte d'Or, quatre coups de poignard ont été portés au thorax. Des traces de strangulation sont révélées. Les examens attestent que la fillette a été saoulée avant de subir une agression sexuelle. Le liquide corporel, isolé par les enquêteurs, a la particularité de ne contenir aucun spermatozoïde. L'ADN qui est en extrait est comparé à celui du tueur en série Francis Holm et de deux autres hommes qui avaient reconnu être présents sur les lieux. Mais les analyses ne donnent rien. Le neuvième nom est celui de Virginie Blusée, disparue en février 1997, quelques mois seulement après Christelle Blétry. Le corps de la jeune Bonoise de 21 ans est retrouvé en bord de Saône, à Verdun-sur-le-Doubs, après cinq semaines passées dans l'eau. Elle a été menottée, bâillonnée et sa tête recouverte d'une thé d'oreiller. De nouveaux scellés, non exploités jusqu'alors, ont permis, grâce à l'avancée de la police scientifique, de relancer l'enquête en février 2010. C'est également en bord de Saône, du côté de Mâcon, qu'est retrouvé le corps de Vanessa Thiélon en 1999. L'apprentie cuisinière de 17 ans est décédée d'une overdose, mais elle a été sauvagement battue. Aucune agression n'a été signalée. Six ans plus tard, le 19 mars 2005, Anne-Sophie Gérolès, 20 ans, étudiante en troisième année de médecine à Lyon, disparaît brusquement après un gala de danse à Mâcon auquel elle participait. Partie en véhicule, elle ne donnera plus jamais signe de vie. Son corps flottant dans la Saône ne sera repêché que le 2 avril, près d'un pont à Mâcon. Le médecin légiste confirme que la victime a subi des agressions sexuelles, qu'elle est décédée par strangulation et coups multiples portés au thorax. Sept ans après les faits, un homme est interpellé et confondu au vu des avancées de la recherche génétique. L'ADN de Jackie Martin est connu car déjà enregistré pour divers méfaits antérieurs. Il est finalement condamné par la Cour d'assises de la Saône-et-Loire à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans pour la séquestration et le meurtre. Dan-Sophie Girolet est fait appel. Sa peine sera finalement alourdie par la Cour d'assises du Rhône, à Lyon, à 22 ans de période de sûreté. La série noire se terminera avec le décès en février 2007 de Corinne Tarré. Elle aura passé deux ans dans un état de coma neuro-végétatif à l'hôpital, suite à sa découverte très gravement blessée à la tête, dans la cour de son exploitation, près de l'étang de Brandon, dans la région du Creusot. Ainsi se résume l'énigme des disparus de la CIS. C'est la fin de cette terrible affaire. J'espère que toutes ces familles, un jour, seront la vérité. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.